Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des vies antérieures dans les parcours de flammes jumelles. Et effectivement, c'est une partie non négligeable dans ce parcours pour avancer. Comme tout à chacun, parce que ce que je vais dire là est valable aussi pour les personnes qui ne sont pas en parcours de flammes jumelles. Vous aussi, vous avez des choses qui ne sont pas résolues dans les vies antérieures et qui vont venir se répéter dans votre vie actuelle en créant des blocages, des choses comme ça, des schémas répétitifs, etc. Et en fait, pour ça, je vous propose le travail de libération des blocages karmiques. Parce qu'en fait, ça vient faire vraiment un nettoyage par rapport à ces vies antérieures et ça vient enlever en fait tous ces blocages que vous rencontrez dans votre vie actuelle. On va parler maintenant des flammes jumelles, puisque en fait, on part du principe que des flammes jumelles, c'est une même âme qui s'est scindée en deux et qui s'est incarnée dans deux corps physiques, le corps des deux flammes jumelles, hein, donc deux corps distincts, deux corps physiques distincts, mais une seule âme. Une qui va avoir plutôt une polarité yang et une autre qui aura une polarité yin. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire par rapport à ça. Le destin des flammes jumelles va être à un moment donné de se réunir. Vous aurez avant ça, avant votre incarnation, décidé de certaines choses, de certaines modalités, comme un contrat en fait, avec la source et avec les deux jumeaux, dans lesquels il y aura des choses qui seront plus ou moins inévitables, par lesquels vous devrez passer pour grandir, pour avancer, pour évoluer. Et en fait, ce parcours de flamme jumelle, effectivement, se fait sur plusieurs vies. Donc plusieurs vies antérieures dans lesquelles vous aurez tenté de vous réunir et dans lesquelles vous n'y serez pas parvenu. Il faut savoir qu'effectivement, quand on parle des blessures les plus développées, chez le chaser, on parle de la blessure d'abandon. Et quand on parle de la blessure, alors, blessure principale, ça sera mieux. De la blessure principale chez le runner, on parle vraiment de la blessure de rejet. Et une blessure d'abandon, comme une blessure de rejet, eh bien, on ne les surmonte pas en une seule vie. Ce qui explique qu'il y a un gros, gros, gros travail au niveau énergétique, aussi bien dans la vie actuelle, même si vous n'êtes pas flamme jumelle et que vous avez cette blessure d'abandon, vous ne pourrez pas vous en dépêtrer en deux soins. Ça demande à travailler dessus, ça demande voilà, à travailler vraiment sur pas mal d'aspects. Et en fait, tout ce qui va être non résolu dans les vies antérieures va se répéter dans votre vie actuelle. Donc si dans plusieurs de vos vies actuelles, vous avez rencontré votre flamme jumelle, que vous avez tenté de vivre cette histoire et que ça n'a pas abouti, parce que bien souvent, dans les vies antérieures des flammes jumelles, il y a du lourd. Bien souvent, on aura perdu son jumeau ou sa jumelle, alors sans avoir forcément mis la notion de flamme jumelle, hein, le terme de flamme jumelle sur cette relation, mais les ressentis vont être les mêmes, c'est-à-dire qu'il y aura la notion d'être complet à deux. Quand on est là en présence de l'autre, on aura l'impression d'être chez soi avec l'autre. On aura cette impression de connexion très très forte, etc. Sans pour autant forcément mettre le terme de flamme jumelle, et c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'a pas conscience d'être en parcours de flamme jumelle que les choses ne se passent pas comme elles doivent se passer. Voilà, c'est comme les runners, hein, le runner qui est là et qui dit bah oui, mais le parcours de flamme jumelle, moi j'y crois pas, c'est que des conneries, c'est de la merde ce truc, etc. etc. Bah, ça l'empêchera pas en fait d'être en lien avec sa flamme jumelle. Ça ne l'empêchera pas d'avoir des synchronicités, ça ne l'empêchera pas de vivre son parcours avec son, sa tierce ou ses tierces,
Parce que c'est ça qui va le faire avancer. Ça l'empêchera pas d'avoir des grosses blessures qui vont se réouvrir au contact de son chaser. Mais si pour le faux self du runner, c'est comme si on occultait cette relation, bah, et que cette illusion lui convient, bah, il a le droit de rester là-dedans, mais ça n'empêche pas le parcours. Voilà, ça c'est dit. Ouais, ça c'est dit, c'est bien. Il faut le dire des fois. comment dire? J'étais sur les vies antérieures. dans les vies antérieures, il y a du lourd chez les flammes jumelles. Bien souvent, on va perdre l'autre de manière très, très, très difficile, très traumatique. Il va y avoir des histoires de meurtre, il va y avoir des histoires de maladie, il va y avoir des histoires de trahison, etc., etc. Tout cela va potentiellement se jouer avec des tierces qui vont se réincarner aussi au fur et à mesure de vos incarnations pour vous aider, puisque les tierces, même si au début du parcours on a un petit peu de mal avec les tierces, notamment les chasers, et qu'en général on les aime pas trop et on a juste envie de dire file de là, je veux plus te voir. Et bien à un moment donné, on comprend que ces tierces, elles ont quelque chose à faire, à apprendre à notre jumeau, notre jumelle, et ça peut être valable aussi dans l'autre sens, mais bah oui, parce que le runner est aussi très très jaloux malgré le fait qu'il se cache beaucoup derrière cette pseudo attitude je m'en foutiste, c'est pas vrai du tout. Il y a une grosse notion de contrôle chez le runner, alors qu'en fait il se donne l'illusion d'être quelqu'un de très très cool. Non, c'est pas vrai. Il y a une grosse part de contrôle et une grosse part de jalousie. Parce que son chaser, c'est son chaser, il n'a pas le droit de refaire sa vie. Parce que voilà, son chaser l'attend et il doit être là et l'attendre envers et contre tout. Même si le runner s'autorise des relations avec des tierces, etc. Bah non, en fait, ça ne se passe pas toujours comme ça. Votre chaser a aussi besoin de vivre sa vie et de comprendre aussi certaines choses. Donc voilà. C'est comme ça. Ça aussi, c'est dit. je sais que ça peut titiller certaines personnes. Hein. Voilà, j'ai deux, trois noms en tête. Voilà. Hein. Bref. Donc, il est logique qu'à un moment donné du parcours, quand il y a cette reconnexion, quand ça vient réveiller plein de blessures, que l'âme finalement se souvienne de ce qui s'est passé dans les vies antérieures, et que quand il commence à y avoir rapprochement et potentiel futur engagement bientôt là dans les horizons, eh bien qu'il y en ait un des deux qui prenne peur, et notamment surtout c'est souvent le runner, mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Parce que dans les vies antérieures, eh bien, soit quand le runner et le chaser ont commencé à être ensemble et à vivre quelque chose, eh bien, soit le runner a perdu l'autre, et là, les boules, ça fait mal, ça fait très 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 mal, ou alors lui-même est décédé, parce qu'on l'a tué, parce que machin, etc. Donc, il y a aussi dans l'idée de si je me mets en couple avec cette personne, eh bien, il va m'arriver des bricoles. Donc, comment te dire qu'à un moment donné, c'est un peu logique qu'il y ait des craintes, c'est un peu logique qu'il y ait des souvenirs comme ça, qui peuvent être douloureux, notamment quand il y a remise en couple ou des choses comme ça, ou rapprochement. Bah, si c'est associé dans votre âme, au côté, je vais le perdre ou la perdre, ou je vais mourir, bah forcément, il y a une crainte qui s'installe, c'est logique. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il y a une fuite, il y a des peurs qui sont là, qui empêchent finalement cette communication, cette relation et bah, cette réunion, tout simplement.
Je parle même pas là des énergies astrales et compagnie, parce que ça existe aussi, pour empêcher cette fameuse réunion. Mais ça, c'est un autre chapitre. C'est autre chose, on en parlera peut-être à un autre moment. Mais voilà, donc dans les soins, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, c'est important de vous parler de cet aspect-là. On peut bien évidemment agir dans les soins. On peut faire des choses très 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 intéressantes, ne serait-ce que déjà avec un soin au tambour que je vais vous mettre ici en haut à droite. Donc voilà, le soin au tambour où on peut déjà travailler sur des choses très ancrées. Maintenant, c'est bien quand même d'avoir à peu près ciblé ce qui se passe. On peut aller évacuer ça. Et si en plus on a connaissance de ce qui a pu se passer dans les vies antérieures, et bien effectivement, c'est un très très bon outil pour aller cibler et nettoyer en fait ces choses-là. Ce qui va permettre en fait après d'avancer. Il y a une deuxième option qui s'appelle le travail de libération des blocages karmiques. Et je vous en parle au début de la vidéo, j'ai dû vous le mettre en haut à droite. Le travail de libération des blocages karmiques va partir d'une liste de problématiques que vous avez vous. Et on va travailler sur cette liste de problématiques et on va aller chercher l'origine. L'origine dans les vies antérieures. C'est bien de travailler sur soi, mais à un moment donné, on sent cette nécessité d'aller faire ce travail aussi dans les vies antérieures et pas seulement sur sa vie actuelle. Chaque chose en son temps. Vous verrez au fur et à mesure de votre processus d'évolution et de guérison que bah, là, c'est le moment de vous attaquer à vos vies antérieures. Et faites confiance à votre intuition. C'est pas au début, c'est pas au début du processus de guérison qu'on va s'intéresser aux vies antérieures. Ça va venir après, quand on aura réglé certaines problématiques de notre vie actuelle. Mais à un moment donné, vous sentirez qu'il faut travailler sur les vies antérieures et qu'il va falloir libérer des choses. Donc on va aller retirer les traumatismes, on va aller réparer des choses, on va aller récupérer des fragments d'âme, on va aller... voilà, faire plein de choses en fait. On peut travailler avec l'hypnose, on peut travailler avec plein de choses. Et tout ça va vous permettre en fait d'avancer également. Alors ne serait-ce que déjà pour vous, mais aussi par l'effet des vases communicants sur votre lien de flamme jumelle. Donc ce qui vous fait avancer vous, va après se transmettre et va faire avancer aussi l'autre. Même si cet autre n'est pas forcément... dans une démarche de travailler sur lui ou sur elle, il y a quand même des choses qui passent dans cet entre-deux, dans ce lien, via les vases communicants. Et je dirais que d'une certaine façon, il ou elle n'a pas le choix non plus d'avancer. C'est là où c'est difficile parce que il y a cet aspect de libre arbitre, hein, et notamment les runners vont aller se cacher derrière ça. J'ai conscience, au fond de moi, que cette relation, elle est très particulière, mais comme je suis un runner et que c'est compliqué d'aller chercher ce qu'il y a en moi, et de m'ouvrir encore parce qu'à ce moment-là, je suis pas prêt, eh bien, je vais invoquer mon libre arbitre en disant, ben, en fait, j'ai le droit de refuser cette relation, si je veux pas y aller, on peut pas m'obliger. Oui et non. Il y a quand même des choses qui vont être obligées de se faire. Il y a des guérisons qui vont être obligées de se faire. Et si d'une partie, effectivement, je suis d'accord sur le côté, bah, on n'est pas tout seul en tant que chaser à travailler sur ce lien. Il y a aussi le runner. Et effectivement, on ne peut pas contrôler le runner dans ce qui va gérer dans ses blessures. On ne peut pas faire son travail à sa place. Et j'ai envie de dire, quelque part, heureusement... En tant que chaser, on évacue quand même beaucoup de matériel traumatique à la place du runner. Voilà, c'est à un moment donné, il faut reprendre la responsabilité aussi pour chacun. Il faut aussi travailler sur soi, chacun. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit faire chacun de son côté en général. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Euh,
Donc il va y avoir cette responsabilité du runner aussi à un moment donné, et c'est un point qu'il doit travailler aussi, ce runner, la responsabilité. Parce que bien souvent, il va se comporter comme un petit enfant, le runner. Et à un moment donné, la vie va le rattraper et va dire, bah oui, mais là, il va falloir que tu prennes tes responsabilités et puis que tu avances en fait. Tu peux pas compter toujours sur les autres. Et ça, c'est un travail qu'il devra faire, qu'il devra conscientiser aussi, d'où l'importance de ne pas forcément donner les informations au runner, parce que en tout début de parcours, et je pense que c'est une erreur qu'on fait tous les chaseurs, hein, moi y compris, c'est que comme on ressent en fait les choses, on va avoir tendance à dire, bah oui, mais là, je sais que... Enfin, je comprends que tu dois travailler sur telle chose. Sauf que le runner, en fait, tant qu'il n'aura pas conscientisé, il ne le fera pas. C'est pas qu'il prend pas en compte votre avis, c'est que bah, pour l'instant, il n'est pas prêt parce qu'il n'a pas compris, en fait, que c'était une réalité. Il y a une forme de déni aussi là-dedans, mais c'est parce qu'il n'est pas prêt, en fait, à le voir. Donc la vie, le fera cheminer, de toute évidence. Et puis, comme c'est un contrat avec la source, eh bien, à un moment donné, effectivement, va lui arriver plein de choses qu'on appelle des foudres karmiques, que je peux vous mettre aussi en vidéo, en haut à droite, pour le rappeler à l'ordre aussi dans cette relation, comme le chaser aura eu peut-être à certains moments aussi, notamment quand il y a le déni du lien, parce qu'en fait, on ne va pas vous lâcher tant que vous n'aurez pas accepté ce lien finalement. Donc oui, c'est important d'aller travailler sur les vies antérieures, d'aller guérir ce qui a besoin d'être guéri, puisque sinon, ça va se répéter dans votre vie actuelle, sachant qu'effectivement, vous avez pu avoir des tierces dans les vies antérieures qui vont vous suivre aussi maintenant, peut-être dans différents rôles, mais qui resteront des tierces, soit de votre côté, soit du côté de votre jumeau ou de votre jumelle, et qui vont en fait avoir aussi un rôle, peut-être le même rôle que dans d'autres vies antérieures, pour bah, finalement vous faire travailler, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à aller voir l'ensemble des prestations que je propose à la fin de la vidéo, ainsi que les coordonnées pour me joindre si vous souhaitez un rendez-vous. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.